dans une interview accordée à des médias internationaux sur la crise ukrainienne et les sanctions de l'Occident, l'actuel ministre des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a souligné l'aspect belliqueux de l'Occident qui a imposé une vision, sa vision du monde, depuis près de 5 siècles. Il a notamment rappelé les atrocités commises par les pays autoproclamés démocratiques ou pays des droits de l'homme en Afrique, notamment la France, l'Angleterre et la Belgique. Il a tenu à souligner à certains médias hostiles et aux médias de la propagande occidentale que la Russie n'était pas isolée, contrairement aux informations relayées. C'est plutôt l'Occident néocolonial qui refuse d'accepter la fin de son hégémonie sur le reste du monde, qui représente le trois quarts de l'humanité. Nous vous invitons de suivre l'intégralité de cette interview en cliquant le lien dans la barre de description. Pour ceux-là qui veulent nous aider ou faire agrandir notre chaîne, nous vous invitons à vous abonner.